Get here. Tiens, bonjour, ma soeur. Mon nom est Jean-Paul Brodeur. J'ai 69 ans. Je suis laitier depuis très longtemps. Mais là, aujourd'hui, c'est ma dernière journée que je vais livrer le lait. J'ai vendu ma route. C'était la route de mon père, puis je travaillais toujours avec mon père. Alors, j'ai 15 ans, mais j'ai lâché l'école depuis ce temps-là que je fais la rente de lait. Il disait plus tard, la route va être à toi. J'ai 23, mais là, j'ai tombé à mon compte, à moi. Depuis ce temps-là que je fais la rente de lait. Fait que ça fait bien longtemps. J'ai même des clients là, que je sers, là. Puis j'ai la cinquième génération que je vois. Fait que ça fait longtemps. La gentillesse d'un laitier, c'est quoi? C'est d'être gentil avec tous les clients, c'est d'être poli. C'est de donner un bon service. Là. Bonjour, madame. Je vais prendre des photos. Parce que c'est ma dernière fois. Puis quand je me suis marié, c'était ma première semaine de vacances. Puis ma dernière semaine de vacances. Bon, ça fait une quarantaine d'années sans vacances. Tu sais, j'ai jamais pris de vacances. C'est pour ça que quand j'entends du monde dire « Ah, là, je suis dû pour mes vacances, j'en peux plus. Ah, mon Dieu Seigneur, tu sais. » J'ai dit « Moi, je n'ai jamais pris de vacances, puis je vais toujours travailler pareil. » Combien j'aurais vendu de pain de lait dans ma vie? Il va en avoir une couple de millions. Depuis le temps, j'ai des clients là, qui ont bien de la misère. Des femmes dans les blocs que je fais, il faut les aider. Ça, c'est de la manière que je cogne, fait qu'ils me reconnaissent, ils savent c'est le métier. Hop! Oh, elle est dévorée. Elle était dévorée. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Voulez-vous une pinte de lait? Oui. Bonjour. C'est du monde qui sont tout seuls. Tu vois toute la misère qu'ils ont, là. Comme l'autre fois, tu es arrivé sur une, il fallait mettre son sac d'emballeuse. Son sac d'emballeuse, c'était plus bon, là. Fait qu'on a mis. On a changé son sac d'emballeuse. Il appelle pour faire des commissions. L'autre appelle m'emporterais-tu des liqueurs? M'emporterais-tu du pain? Fait que là. J'ajoute ça avant d'aller servir. C'est un homme extrêmement dévoué. C'est un homme de cœur. C'est un homme qui est extrêmement à l'écoute des gens. Moi, M. Brodeur, je veux me permettre de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis de nombreuses années. Puis je vous aime beaucoup. Puis je vais toujours penser à vous, M. Brodeur. Toujours, toujours. Merci. On s'est toujours bien arrangé, toujours. J'ai placé son lait dans le frigidaire, tout ça, fait que et pour ça tout le temps. Oui. On s'arrange bien. Oui, c'est ça. On n'en va pas de trop. C'est ça, on s'arrange super bien. Puis et merci, M. Brodeur. OK. Ça me fait plaisir, merci. Moi aussi, de t'avoir servi. Bye-bye. Bye. Bonjour. Arrive. Tu sais, il y en a, là, que ça va me faire de quoi depuis retourner voir, parce que là, tu sais, je voudrais toujours être là pareil. Mais il va falloir le faire. On va s'habituer. J'ai toujours travaillé, ça fait que je ne vais pas me vanter, mais je suis en forme. C'est ça qui me fait peur, mais je lâche. Oui, c'est ça, je pense souvent à mon père, même là, tout le temps. Mais j'ai toujours été avec lui, tu sais, je veux dire. J'allais à l'école, mais le matin, là, je me levais, j'allais avec mon père à 5 ans. À 5 ans, j'allais faire la route de lait avec mon père. J'avais 5-6 ans, puis il m'embarquait. Et puis... j'ai dit à mon père, j'ai dit... je vais vendre, là, puis tout ça, tu sais, mais j'ai dit, aide-moi à me décider. Alors, ça m'emporte, là. Fait que j'ai dit, si ça fait pas, j'ai dit, laisse-moi les sentir dans la journée, parce que j'ai dit, sûr,
Tu vas me passer un message, puis la journée a bien été, ça a été merveilleux toute la journée, ben, j'ai dit. Ben, j'ai dit, mon père est d'accord, fait que là. Je me suis décidé. Et je l'ai vendu.